Donc, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle d'aujourd'hui, on verra le paradoxe de Russell, qui est un problème classique en logique ensembliste. Donc, si on dispose d'un village et d'habitants de ce village qui sont tous non rasés, et en même temps dans ce village il y a un barbier, et en même temps voilà, le conseil municipal demande au barbier de raser tous les habitants qui ne se rasent pas eux-mêmes, mais uniquement ceux-ci. Est-ce que c'est faisable? Telle est notre question. Deux cas se présentent alors. Le premier cas, c'est que si le barbier ne se rase pas lui-même, alors il ne rasera pas une personne qui ne se rase pas, c'est-à-dire le barbier même. Et donc c'est une proposition qui est en absurdité avec l'énoncé, avec les conditions du règlement. Le deuxième cas, si le barbier se rase, alors il se trouvera en train de raser une personne qui s'est déjà rasée, ce qui est absurde. Par ailleurs, il existe un deuxième énoncé qui me rappelle la règle de Russell, un énoncé plus mathématique, qui dit qu'il n'existe pas de surjection entre E et P de E, lorsque E est un ensemble, bien sûr. Alors, prouvons ceci. Avant toute chose, commençons par une petite analogie avec le paradoxe de Russell du barbier que l'on vient d'étudier. Donc, la fonction, on définit l'application f comme étant l'application allant de E, l'ensemble des villageois, vers les parties de E, qui pour chaque villageois x associe l'ensemble des villageois qui ont été rasés par ce même x. Souvenez-vous bien de cette application. Alors, l'application f, que l'on appelle ici fonction rasage, est une application de E vers P de E qui ne peut être surjective. Pourquoi ne peut-elle pas être surjective? Donc tout à l'heure, dans le paradoxe du barbier, on a vu qu'aucun barbier ne peut raser les villageois qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et donc on arrive, avec cet énoncé, à définir un ensemble grand A qui est l'ensemble des X appartenant à E tel que X n'appartient pas à F de X, c'est-à-dire les X qui ne se rasent pas eux-mêmes. On est bien d'accord. La surjection, il fait défaut à ce stade. Donc, à partir de ce constat, revenons au cas général. Lorsqu'on revient au cas général, et on définit une application f de E vers P de E, qui sera par supposition surjective, on devra trouver une absurdité. Alors, on va définir le même ensemble A que l'on vient d'extrapoler, d'accord? Et on va se dire, si f est surjective, alors l'ensemble A admet un antécédent que l'on va appeler x0. Et donc, il y a deux cas pour x0, ça me rappelle le barbier. Si x0 appartient à, c'est-à-dire, si le barbier ne se rase pas, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que x0 appartient à f de x0 par définition. Or, on a par définition, puisque x appartient à A, alors x0 n'appartient pas à f de x0. Ceci est absurde. Deuxième situation, si x0 n'appartient pas à A, alors x0, puisque A est égal à f de x0, alors x0 n'appartient pas à f de x0. Mais puisque l'ensemble A est défini comme l'ensemble des x appartenant à E, tel que x n'appartient pas à f de x, alors par défaut, on a x0 appartient à A, ce qui est absurde en lui-même. Et donc, on se rend compte que dans les deux cas, si x0 appartient à A ou bien x0 n'appartient pas à A, comme le cas du barbier tout à l'heure, on a toujours une absurdité. Et donc, il n'existe pas d'application surjective de E dans P de E. Merci de votre attention.